Bonsoir à tous et bienvenue sur Gamonitron. Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sûr en direct sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Ce soir, c'est une nouvelle émission de Gamonitron, évidemment, la première de la rentrée de 2016. Et on vous souhaite évidemment, toute l'équipe de Gamonitron se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2016, bien sûr, avec tout ce qui s'ensuit. Une très bonne année, de bons jeux évidemment, tout ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour du jeu vidéo et de la culture geek. Bien sûr, Gamonitron, on rappelle, hein, vous nous retrouvez tous les lundis de 21h à 22h, c'est du direct tout à fait sur Radio Campus Clermont-Ferrand, sur le site également de Radio Campus, hein, vous pouvez nous écouter grâce au streaming hein, qui est sur Radio Campus Clermont-Ferrand, le site internet, ça fait trois fois que je le dis mais j'en ai rien à foutre, pour nous écouter évidemment, et puis... Pour ceux qui ne pourraient pas en direct, et bien évidemment, vous avez nos podcasts hein, disponibles sur notre site gamonitron.fr, tout à fait, hein, voilà, avec YouTube, Facebook, Twitter, enfin tout le tralala, tout ça. Autour de la table, on a Nicolas. Comment il va, Nico? Ça va. La forme? Ouais. Bon, ouais, impeccable. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a eu pour Noël, là, celui-ci? Qu'est-ce qu'il a eu pour Noël? J'ai eu un caleçon Star Wars, mais voilà. Et je le porte sur moi actuellement, d'ailleurs. Un caleçon Star Wars? C'est pour mettre en valeur ton gros sabre laser? Ouais, j'ai Dark Vador sur les fesses, maintenant. Ou ton étoile de la mort. On mettra la photo sur la page Facebook de Gamonitron. Peut-être pas, non. Ce sera censuré. C'est tout ce qu'il a eu. Ouais, voilà. Non, c'était bien, j'étais content. D'ailleurs, c'est une bonne résolution de 2016. Je veux relancer vraiment, mais vraiment, le hashtag Love Nico. Oui. Vraiment sur Gamonitron, parce que Nicolas est seul. Nicolas se sent seul. Il est célibataire. Un peu comme une vieille chaussette qui aurait perdu sa moitié lors d'une lessive. Il est triste, il est très triste. D'ailleurs, voilà, que je lance un appel solennel. Que vous soyez un homme, une femme, un enfant. Un animal. Nicolas est aussi gérontophile. il aime les personnes âgées. Alors, il y a juste un seul truc. C'est qu'il supporte pas les gens qui sont plus poilus que lui. Donc les Portugais, vous oubliez. Voilà, tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos mots d'amour au 04 73 90 50 61 hein, en direct. C'est le numéro de téléphone de Radio Campus. Hein. C'est véridique. Vous pouvez appeler, on vous répond. Hein. C'est une certitude. Et sinon, ouais, le hashtag Love Nico. Voilà. Je veux que fin 2016, Nico, il soit plus célibataire. Parce qu'on dirait pas ta comme gueule, ça. Je change pas ton avis, toi. Je fais des blagues, mais je souffre intérieurement. En fait, je suis en pleine. Non, mais je sais que tu souffres, mais c'est pour ça que je veux vraiment t'aider. Mais vraiment. Mais vraiment. On a également Pierre-Marie, notre régisseur, webmaster et chroniqueur accessoirement. Salut, ça va? Ça va bien, ouais. Qu'est-ce que t'as eu toi pour Noël? Est-ce que le Père Noël t'a gâté? Oui, j'ai été très gâté. Entre autres, j'ai eu Tales of Arts sur PS Vita. Je dis ça parce que je savais que ça allait vous provoquer une hilarité, mais voilà. Non, t'as dit que t'avais été gâté, mais là je vois pas en quoi t'as été gâté. Mais c'est pourri gâté. C'est tout ce qu'il a eu. Non, j'ai eu plein de choses, mais bon, je vais pas. J'ai pas à raconter tout ce que j'ai eu. D'ailleurs, si vous voulez insulter Pierre-Marie, parce que je sais que vous êtes nombreux. Hashtag HPM, c'est ça. Non, vous avez Gamonitron, le Facebook, je le rappelle, et le Twitter. Voilà, insultez Pierre-Marie. Oui, c'est moi qui les gère. Donc on adore Pierre-Marie. Mais vous pouvez l'insulter. Voilà, si vous voulez insulter Gamonitron, vous insultez Pierre-Marie en premier. Insulter. Merci. Franchement, pour Noël, t'as pas demandé? Non, j'ai eu des super cadeaux. J'ai eu l'intégrale des James Bond de Dr. No à Skyfall. Ah, putain, c'est un super cadeau, je suis fan. Je sais qu'il y a Antoine aussi qui est là, notre invité de ce soir. Bonsoir. Salut Antoine, qui l'a eu aussi. Et j'ai eu le même cadeau. C'est un bon cadeau. Ouais, et comme quoi, c'est un bon cadeau pour des bonnes personnes, évidemment. Et en bonne qualité, remasterisé. Et tout à fait. Une excellente qualité d'image de Dr. No à Skyfall. C'est un véritable petit régal. Il y a même une place pour Spectre. Exactement, qui sortira dedans, en mars prochain, je tiens à vous le dire. Voilà. Vous touchez une commission. Si c'est du scoop.
Vous touchez une commission sur les ventes du coffret, non, ça va. Non, allez l'acheter alors, sur... Sony n'en a rien à foutre de notre gueule. On fait toujours un voyage en Écosse dans 2 mois, c'est ça, monsieur. Antoine qui est là pour ce soir. Et j'ai aussi, mais ça, j'en reparlerai plus tard... Quand j'aurai fini, j'ai eu aussi The Little Battler Experience. C'est sur 3DS, c'est un jeu de level 5, vous savez, dans la veine de Inazuma Eleven. Jeu avec des petits robots, tout ça. Il est formidable, j'en parlerai quand je l'aurai fini. Ce sera un petit jeu, un petit test. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti au mois de septembre dernier sur 3DS. Il est passé totalement inaperçu, mais c'est le genre de jeu qui aurait dû faire un tabac, même chez nous en France. C'est dommage qu'il soit passé inaperçu, vraiment. J'en parlerai quand je l'aurai fini, mais exceptionnel. J'ai aussi un intégral de manga. Ouais, je raconte ma vie là, mais ça s'appelle Planète de Makoto Yukimura, qui est excellent, mais vraiment excellent. Mais j'en reparlerai aussi également. On a aussi sur le plateau Bidule qui est là. Salut Bidule, comment tu vas? Salut. Vous avez reconnu derrière sa voix extrêmement éjaculatoire Marc qui est là sur le plateau. Alors, j'ai pas eu de cadeau parce que je sais que t'allais poser la question. Par contre, il y a quelqu'un qui m'avait prêté un super jeu de PS3, Castlevania 2, Lord of Shadow. C'est quelqu'un qui doit t'adorer. Quelle consolation! Monsieur, t'as pas eu de cadeau pour Noël à part de l'argent peut-être? À part un nouveau nom. Non, j'ai pas encore cherché en fait. Un nouvel appart. Bon, on verra ce que tu as eu pour Noël au cours de l'année 2016 si tu le veux bien. C'est un DLC, c'est cadeau de Noël. Allez, ce soir, on a plusieurs choses. On va parler de DLC. Et ouais, d'entrée de jeu avec le DLC de Bloodborne qui s'appelle The All Hunter. On parlera d'un jeu qui s'appelle Baroque, qui est un jeu très étonnant, sorti sur PS2 et sur Wii il y a quelques années. C'est moi qui vous en parlerai tout à l'heure. Et on fera un sujet sur les jeux attendus pour l'année 2016. Hein, parce que sur la dernière émission, on n'a pas eu le temps de le faire vraiment comme il faut. Bah là, on le fera. Et là, comme on n'aura pas le temps non plus. On n'aura pas le temps non plus, effectivement. Non, cette fois-ci, on aura un peu plus de temps de détailler tout ça. Quels sont les jeux attendus par Gaming Nitron en 2016? Ce sera là pour cette 96e émission de Game On Nitron. Pour cette rentrée, on va commencer tout de suite par un DLC, le premier DLC de Bloodborne, à savoir est-ce qu'il faut l'acheter ou non? C'est un peu la grande question et c'est Nico qui va nous répondre. C'est Bloodborne, c'est tout de suite. Et de retour sur le plateau de Game On Nitron pour parler de ce DLC, donc Bloodborne The All Hunter qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, il est sorti fin novembre quand même, ça fait un petit peu de temps quoi. J'adore balancer des trucs comme ça, t'es sûr de moi, mais je crois qu'il est sorti il y a 2 semaines le truc là. Il me semblait bien, je sens que Stéphane, notre petit monsieur S, il va me tomber sur la gueule sur ses commentaires. Que j'embrasse aussi vraiment Stéphane, que j'embrasse, c'est un amour formidable. Merci à toi de nous suivre sur Game On Nitron. Non mais vraiment, hein, sérieusement, mais promis, on fera un truc avec Stéphane, un truc de fou. Bon, qu'est-ce que tu veux toi? Attends, je crois que j'ai demandé. Donc oui, le DLC de Bloodborne. Donc tu disais que c'était le premier, mais ça sera aussi le seul DLC de Bloodborne. Il a été annoncé comme étant... Mon Dieu. Donc en fait, c'est le dernier. Qu'il voilà, n'y aurait qu'un seul DLC, ouais. Et point, c'est tout. Et pourquoi? Non, c'est comme ça, parce qu'ils avaient juste... Non, explique. Qu'est-ce que je te dis? Explique. Et donc en fait, donc je rappelle... Alors Bloodborne, c'est un jeu qui est sorti début 2015 hein, sur exclusif PS4, bien évidemment. Donc c'est le successeur de... Bien évidemment. De la série des Dark Souls, puisqu'on retrouve le même gameplay, mais dans un univers complètement différent. Et donc en ouais, gros... enfin vite fait quand même. Non, aussi quand même très différent de Dark Souls. Dark Souls, c'est un univers médiéval. Bloodborne, c'est plus... Médiéval, mais à l'époque de l'ombre. Voilà, c'est ça. Il y a des machines, enfin il y a des trucs... Son Londres, c'est toujours médiéval. C'est ça. En fait, donc le principe de Bloodborne que je ne rappelle pas, en fait, on incarne un chasseur donc qui se trouve dans la ville de Yharnam, c'est là où se passe donc la qui est vieux, non? Hein? Un vieux chasseur. Non, tu crées ton personnage, donc tu peux le faire jeune ou vieux si t'as envie. Je sais pas, il s'appelle The Old Hunter, que tu m'emmerdes. Non, mais non, ça c'est le jeu de base que je rappelle vite fait le principe. Ah oui, le jeu de base, pardon. Et le but c'est de participer à ce qu'ils appellent une chasse, donc en gros il y a des monstres qui ont envahi la ville et il faut les buter. Et donc The Old Hunters en fait nous ramène dans le passé, c'est-à-dire l'époque de la toute première chasse. Qui s'est passé dans Yharnam. Donc ça va nous permettre d'éclaircir certains points un peu obscurs du jeu. Alors première question,
est-ce que The Old Hunter est un stand-alone, savoir un jeu à part entière? Pas du tout, c'est un truc qui... En fait, ça s'inclut dans l'histoire, dans le déroulement de Bloodborne. D'accord. Donc on peut pas y jouer tout seul, il faut vraiment faire le... Mais je préférais demander la précision. Et deuxième question, est-ce que ça se passe sur une tortue? C'est très important. Non, pas du tout. Bon, merci. Malheureusement, je sais que j'attendais ça avec impatience, mais non, ça se passe pas sur une tortue. Donc, comme je le disais, on va se retrouver dans le passé. En fait, dans ce DLC, on va visiter trois nouvelles zones. Quand j'ai dit trois nouvelles, en fait, la première, c'est la ville de Yharnam, mais en version beaucoup plus cauchemardesque que celle qu'on traverse. La ville de base. En fait. La ville de base que celle qu'on traverse dans le jeu normal. Par exemple, il y a une rue où on est carrément, on patauge dans une rivière de sang, avec plein de cadavres partout, donc le truc bien dégueulasse, bien glauque. Écoute, on voit que tu t'es jamais baladé à Jaude, hein. Ça se voit, monsieur. Et donc on aura deux autres environnements qui eux sont inédits, c'est-à-dire qui sont pas dans le jeu de Bloodborne, qui sont plutôt réussis d'ailleurs. Ouais. On a une espèce de laboratoire où t'as des mecs enchaînés, les gens qui font des expériences dessus, donc truc bien dégueulasse. Comme dans le reste du jeu. Et on a un village de pêcheurs où tous les habitants sont devenus une espèce d'homme-poisson qui essaie de te buter dès qu'il te voit. Normal. Et donc, mis à part ça, le jeu, donc, va éclaircir certains points d'ombre qu'on n'avait pas. Des choses mystérieuses dans le scénario qu'on n'avait pas trop éclairci. Puisque dans Bloodborne, en fait, il y a une histoire, mais elle n'est pas développée. C'est-à-dire qu'on va nous raconter, il se passe ceci, il se passe cela. Il faut la découvrir par soi-même, en fait, en parlant des PNJ ou en lisant les descriptifs de certains objets. Ça nous permet d'en apprendre plus sur l'univers. Et ce DLC nous donne des éclaircissements sur des questions qu'on pouvait se poser en finissant le jeu. À telle fois qu'on pourrait même limite se penser qu'il aurait pu être là dès le début du jeu, tellement il s'imbrique bien dans l'univers. Je pense que ce genre de DLC était pensé dès le début, c'est pendant la formation du jeu. À mon avis, le DLC était pensé. C'est un peu comme The Last of Us, hein, le DLC. Oui, je pense sûr, ils le sortent après pour gagner un peu plus de sous, évidemment, mais je pense que c'était pensé. Puis de toute façon, le jeu appartient à un créateur, hein, à un seul auteur, donc c'est vrai que quand le mec a son idée en tête, c'est vrai qu'après, il est maître de lui. Il sort quand même des choses qui sont assez logiques au final. Ouais, tout à fait. Donc, bien sûr, le DLC va apporter son nouveau lot d'objets, d'armes, d'équipements. Et de difficultés. Et de difficultés. D'ailleurs, c'est un peu un défaut du truc, c'est qu'il y a vraiment un gouffre entre la difficulté du jeu de base et celle du DLC. Alors, et dans quel sens? Dans le sens, le DLC est beaucoup plus difficile que le jeu. Mais en fait, c'est surtout la première zone du DLC. Ouais. C'est-à-dire que autant, moi, donc j'ai fait avec un personnage niveau 100, ce qui est pas dégueulasse quand même. Monsieur Slapette. Et normalement, la fin du jeu, j'arrivais quand même bien à gérer. Le DLC, mais la première zone, mais je me suis défoncé direct. Quoi. Parce qu'on affronte plein de monstres, il y a plein d'autres chasseurs qui nous attaquent en même temps, mais c'est vraiment le truc hyper galère. Est-ce que tu dirais que t'es pas bon donc? Si, quand même. Et donc, par contre, quand on arrive quand on passe je suis d'accord avec toi. Quand on passe cette zone, donc on arrive à buter le premier boss et qu'on se trouve dans la suite, et les deux autres zones sont beaucoup plus faciles. D'accord. Il y a moins de chasseurs, parce que les chasseurs sont vraiment les ennemis hyper balèzes du jeu. Étant donné que tu as tous claqué au premier niveau. Ouais, et il y a moins de chasseurs, les ennemis sont moins. Il y a des ennemis un peu costauds, mais ils sont un peu moins costauds. Ouais. Donc, ouais, il y a vraiment un pic de difficulté assez bizarre. Ils ont peut-être dû l'échelonner. Tout au long du DLC, plutôt que de tout balancer dès le début et après que ce soit plus simple par la suite. Donc il y a des boss qui ont été rajoutés, bien évidemment. Donc, en fait, il y a 5 boss, il y en a 4 qui sont obligatoires pour finir le DLC et un cinquième qui est optionnel. Mis à part le premier et le dernier, qui sont assez chauds, surtout le dernier boss, combat excellent, super épique, donc très bien foutu. Les autres sont assez faciles, quoi. Ils peuvent se tuer sans trop de problème. Et l'autre DLC se finit en 3-4 heures. C'est court quand même. Sans compter le nombre d'heures qu'on va passer à buter contre un boss parce qu'on n'arrive pas à le battre. Ah, donc pour rajouter donc, 20 heures de plus. Imaginons que si on le fait en tuant tous les boss du premier coup, en faisant tout du premier coup, il faudrait 3-4 heures pour le finir. D'accord. Ce qui est pas trop mal, mais bon, il est quand même vendu à 20€ le DLC. Donc, voilà, c'est ce que j'ai te demandé. Le rapport qualité-prix est pas tout à fait là. Enfin, je dirais. Ça fait mal à l'anus. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce DLC. Enfin, je me suis bien amusé en le faisant. D'ailleurs, j'ai refait le jeu en entier. Pour l'occasion, et j'ai beaucoup plus apprécié le jeu la deuxième fois que je l'ai fait. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, quand j'avais testé, j'avais dit que j'avais trouvé pas mal, mais que j'étais quand même un petit peu... En tout cas, c'était pas parti pour être vraiment un de tes jeux de l'année, parce que je sais que t'étais fan de Dark Souls, notamment, et que Bloodborne, tu l'attendais avec grande impatience. Et c'est vrai que quand t'avais fait le test, moi je me rappelle effectivement très bien, c'est vrai que tu disais, ouais, il est très bien, il est bien, mais voilà. Il est bien, mais il est pas bien. Enfin, c'était entre. Et ouais, mais non, mais j'ai beaucoup t'avais les fesses entre deux chaises. Beaucoup plus adoré à ma deuxième partie, bizarrement. Vraiment, mais ça arrive. Hein. Je sais pas si ça vous arrive aussi à vous, à vous autres les gars, mais ou même à vous qui nous écoutez. Mais c'est vrai que moi, il y a certains jeux comme ça. Quand je l'ai fait la première fois, c'est vrai qu'il y a des trucs qui, je sais pas, qui me faisaient tiquer, qui m'énervaient ou me disaient, ouais, ça c'est pas très cool.
Et en le refaisant une deuxième fois, je dis, ah mais putain, c'est, en fait, je me prends la tête pour rien. En fait, il est bien mieux. Enfin, il y a des trucs comme ça. Ou alors, soit le jeu nous semble plus simple parce qu'on connaît déjà les mécaniques et du coup, on prend peut-être plus de plaisir. Ou soit parce qu'on voit le jeu différemment. Il y a plein de choses. Moi, c'est plutôt inverse, généralement. C'est plutôt, il y a un jeu, j'y joue la première fois, ça m'émerveille et tout. Et quand tu le refais, dessus, je crois que ça t'avait fait ça avec Heavy Rain, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais disons qu'Heavy Rain, j'avais bien aimé tu vois tous les défauts du scénario, en fait. C'est-à-dire que quand tu fais le jeu en première fois, moi, j'étais impressionné, je dis putain c'est un jeu génial, et c'est vrai que quand vous avez le coup de chapeau final qui est sur le moment, on dit putain mais c'est génial, je voyais pas venir, et quand vous refaites le jeu en fait je trouve qu'il y a plein de défauts, en fait il y a plein de trucs qui disent mais oui forcément je pouvais pas connaître la fin parce que on me dit des trucs aberrants pour justement que je la sache pas. On voit pas les ficelles la première fois, c'est vrai. Bah c'est même plus des ficelles là, c'est des cordes là. Mais oui effectivement, mais souvent c'est plus dans le bon sens que quand je refais un jeu c'est plus plaisant. Oui, bah, pas moi. Et donc, je finis juste sur un petit truc. En fait, c'est un ajout qu'ils ont mis quand ils ont sorti le DLC. Mais on n'est pas obligé d'acheter le DLC pour bénéficier de cet ajout. Ouais. En fait, maintenant, on a la possibilité d'invoquer des PNJ avant les combats de boss. Donc, des PNJ qui sont contrôlés par la console. Ouais. Du coup, ce qui rend certains combats de boss beaucoup plus facile, puisqu'il y a limite des PNJ qui vont tuer le boss pour nous. Et nous, tu peux rester dans un coin et c'est beau, tu regardes. Ah oui, quand même, d'accord. C'est des vrais PNJ, c'est pas des joueurs. Ouais, parce que il y a toujours une partie online, hein, on est bien d'accord. Hein, il y a toujours une partie online. Il y a toujours la partie online, mais si tu joues en offline, tu peux invoquer des PNJ pour t'aider. Tout à fait. tout à fait. Non, j'avais juste jeté ma fiche. On pouvait faire ça dans Dark Souls 2, invoquer des PNJ pour t'aider pendant les combats. Sauf que ils étaient totalement quiche. Ils passaient leur temps à se faire taper sans donner des coups. Ils servaient à rien. Quoi. Mais là, dans Bloodborne, mais un tel point, je dis, il y en a, mais ils sont. Non, mais je vais te dire un secret. En fait, c'est qu'avant tu jouais avec Pierre-Marie et maintenant tu joues avec moi. En fait. Attends, du coup, ça rend certains combats de boss hyper facile, en fait. D'accord. Mais après, ce qui est bien, c'est bien pour ceux qui arrivent pas à avancer et du coup, ça permet d'avoir un petit coup de pouce et de buter certains boss. C'est que dans le DLC ou c'est dans tout le jeu ? C'est dans tout le jeu, en fait. Mais ils l'ont implémenté en même temps que les mises à jour du DLC. En d'accord. Il n'y a pas besoin du DLC pour avoir cette fonction. Non, tu n'es pas obligé de prendre le DLC pour avoir ça, justement. D'accord, effectivement. Okay. Donc, au final, pour toi, c'est plutôt un bon DLC. Est-ce que tu le conseillerais vraiment avec le prix ? Franchement, pour ceux qui ont adoré Bloodborne et qui veulent prolonger un peu l'expérience, je conseille tout à fait ce DLC. Parce qu'il y en a, moi, je sais pas vous, franchement, je sais pas, mais c'est vrai que moi, parfois, j'attends que Nico en parle d'ailleurs souvent, mais j'achète très rarement de DLC, voire même quasiment pas, parce que j'ai peur de me faire niquer en fait. J'ai peur de me faire avoir avec un DLC qui coûte 10, 20 euros, même d'un jeu que j'adore, et d'être déçu. Tu vois, par exemple, un truc tout con, Metal Gear Rising. Revengeance, ils ont fait des DLC. Alors j'adore le jeu, j'adore. Et il y a eu des DLC dessus, et je sais que toi tu les as fait, et tu m'avais pas convaincu de les acheter. Franchement, tu vois. Ils étaient pas. Non, mais c'est, pas non, mais super, c'est vrai, hein. Et c'est vrai que tu sais jamais. Pourtant, tu as beau adorer le jeu, tu sais jamais trop à quoi t'attendre avec des DLC parce que c'est un truc qui est rajouté, et tu sais pas si c'est forcément bon. Et tu vois, même le DLC de DMC Devil May Cry, le DLC où tu joues Virgil, le frère du héros, ça m'a. Il a l'air sympa, mais ça ne m'a pas donné super envie. Non, mais c'est vrai que par rapport au prix, c'est, je sais pas, les DLC, j'ai toujours cette espèce de crainte en fait, vis-à-vis du DLC, d'être déçu et de me dire, j'ai jeté mon argent par les fenêtres. Moi, le DLC de Bloodborne, je comparais plus au DLC de Last of Us, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un truc que tu n'es pas obligé de le faire si tu veux finir le DLC de Last of Us, c'est le DLC parfait. Mais le DLC de Bloodborne, ça t'apporte vraiment tout un ajout scénaristique, un ajout, puis tous les équipements qui vont avec, qui sont excellents. C'est intéressant. Ils ont fait un super boulot au niveau des équipements, des armes qu'on peut récupérer dans le jeu, donc c'est vraiment un truc intéressant. Moi, les fans de Bloodborne, pour moi, c'est indispensable d'avoir ce DLC, d'avoir ce DLC. Bon, bah voilà, tout est dit, donc maintenant, vous n'avez pas d'excuses pour vous procurer le DLC de Bloodborne. Bah si, moi, j'ai pas Bloodborne. D'ailleurs, il y a une version du jeu qui est sortie avec le DLC déjà implémenté dedans. Tu commences à me faire chier, t'arrêtes de couper la parole à Mathieu. C'est tout pour dire des trucs comme ça, je sais que le DLC est sorti il y a 2 semaines, fais gaffe. Vas-y, continue Mathieu. Oui, donc on va pas couper la parole. Continue, je t'en prie. Qui est sorti sur PS4 et le DLC, donc qui est un très bon DLC de Nico, vous le recommande. C'est sorti, c'est à 20 euros. Mais là, bon, Bloodborne est quand même bien amorti, parce que je sais que vous y avez beaucoup joué, autant que Nicolas. Voilà, c'est tout est dit dans cette phrase. Merci Nicolas. Merci à toi. C'est
un jeu qui est très très étonnant, dont je vais vous parler dans un instant. Il s'agit d'un jeu qui pourrait rentrer dans la catégorie, vous savez, les séquences qu'on fait, qui s'appelle ces jeux que vous ne connaissez pas. Alors ça va bientôt revenir hein, d'ailleurs au passage, ces jeux que vous ne connaissez pas, on va bientôt en refaire une. Et ça aurait pu complètement rentrer dans cette catégorie-là, mais je voulais vraiment, véritablement faire partager cette expérience avec le plus de lisibilité possible. Alors ça n'a pas duré non plus extrêmement longtemps, mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un jeu qui est assez étonnant. Je vous laisserai vous faire votre propre avis après, bien sûr, après ce que vous en ayez pensé. Ce jeu étonnant s'appelle Baroque et c'est tout de suite. Donc c'est un jeu japonais hein, qui est sorti, qui est édité donc, par les Japonais d'Atlus et qui est développé par leur confrère dont leur studio a le nom d'un chanteur très célèbre qui s'appelle Sting. Tout à fait, Sting Entertainment. Alors c'est un studio, très rapidement, ils sont pas très connus parce qu'ils ont pas fait, ils ont fait que des jeux de niche, comme Baroque notamment. Nintendogs. C'est aussi les auteurs, alors ils ont fait Evolution sur Gamecube, c'est pas un jeu espagnol, hein. Evolution si vous préférez. Sur Gamecube, ils ont fait aussi pas mal de tactical sur console portable comme Gungnir sur PSP ou encore Knight in the Nightmare sur DS, à voir d'ailleurs Knight in the Nightmare. Pour les curieux de tactique. Là, on parle de Baroque. Alors, à base, c'est un jeu qui est sorti sur Sega Saturn en 1998, qui a été porté après sur PS1 en 99. Mais il faudra attendre son remake sur PS2 en 2007 et sur Wii en 2008 pour pouvoir en profiter dans le monde entier. Hein, parce que, à la base, les jeux étaient sortis que au Japon et très peu disponibles en plus de ça. Donc, les remakes PS2 et Wii de Baroque sont disponibles même chez nous en France. Alors, ils ne sont pas évidents à trouver. Hein, ils sont plutôt rares. Mais concrètement, ils sont dispo pour nous autres Européens, pas besoin de passer par l'import. Il faut quand même dire que les jeux ne sont pas traduits, hein. Ils sont en anglais uniquement, ils sont pas traduits en français. Donc les anglophobes, passez votre route. Alors le jeu démarre par une intro qui est très très courte, une toute petite scène où on comprend strictement rien, et on est tout de suite plongé dans le jeu après 15 secondes de cinématique, et donc on aperçoit donc le héros qui s'est habillé avec, je pense qu'il lui tenait tombé sous la main, hein, parce que je pense que tu voudrais faire un clochard, tu pourrais pas faire mieux. Le héros, il est muet, alors muet au sens strict du terme, hein, c'est-à-dire qu'il est pas comme, vous savez, la plupart des héros de RPG japonais, hein, c'est-à-dire qu'il ne, entre guillemets, ne parle pas, non, lui il est vraiment muet, il a vraiment perdu l'usage de la parole. Il est également amnésique, pour faire original. Il se souvient plus de rien. Comment ? L'orphelin ? Non, oui, je pense, mais ça, après, on n'en parle pas. Et alors, on a ses pensées intérieures, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas totalement muet. Il se sent coupable de quelque chose, sauf que sur le moment, on ne sait rien. N'empêche qu'on est tout de suite plongé avec ce personnage et on découvre tout de suite un univers apocalyptique. C'est vrai que tout est en ruine, tout est détruit. On a un ciel rouge autour de nous. Il y a une atmosphère qui est très pesante, avec même la bande sonore qui fait un peu penser à du Silent Hill, vous savez, avec l'atmosphère très pesante, un peu stressante, où on se sent mal à l'aise d'entrée de jeu. Et surtout, on se trouve dans une espèce de petite cité où il y a quelques PNJ, et tous les PNJ sont difformes, sont mutants, sont bizarres également. Ils vont tous nous dire, alors le héros a une apparence humaine normale, il dénote véritablement avec le reste de l'univers du jeu. Donc on peut s'amuser à parler aux PNJ qui vont nous dire des trucs. Bon, franchement, au début, on ne comprend pas du tout. Ça ressemble à la Corse. Par exemple, pour resituer, et au loin, on aperçoit une tour, donc on se dit, bon, on va essayer d'aller. Et là, en fait, il y a un ange qui apparaît sous une forme, je dirais, une forme fantomatique qui arrive devant et qui nous dit, voilà, ce qu'il y a derrière, ça s'appelle la Neurotower. Tu te dois, en fait, d'aller l'explorer. Ça permettra notamment de retrouver un peu tes souvenirs et de délier le problème. Sur le moment, on pige, mais
que dalle, on comprend strictement rien. Par contre, il nous donne un objet qui s'appelle l'Angelic Rifle, ou encore la mitraillette de l'ange, ou de l'angélisme, par exemple. Bref, il nous donne un flingue avec lequel on a des munitions limitées, je tiens quand même à le préciser, et on est parti pour aller explorer la Neuro Tower. Alors, c'est vrai que là, tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le jeu ? Vraiment, je comprends rien. C'est vrai que l'univers est lourd, il est pesant, le personnage parle pas, les PNJ sont immondes, hein, ils donnent pas envie d'aller leur parler, mais ils sont très gentils, hein, à la base. On peut les taper, c'est très marrant, ça sert à rien, mais c'est très marrant. Et en tout cas, on nous donne pour mission presque d'aller explorer la Neuro Tower, et c'est presque une mission d'ordre divine. C'est-à-dire que même nous, le personnage principal, on se sent d'aller explorer cette Neuro Tower. Pourquoi, on ne sait pas. Évidemment, je ne vais pas vous dire pourquoi, vous n'allez pas me faire chier. C'est là, on arrive dans la Neuro Tower, et donc on va découvrir le gameplay du jeu. Alors, la Neuro Tower est composée d'une cinquantaine d'étages qui sont tous, ou presque tous, gérés aléatoirement. Un peu comme les Persona 3 et 4, hein, si vous préférez. C'est-à-dire que vous pouvez recommencer 10 fois votre partie, tous les niveaux ne seront pas tout à fait les mêmes. Alors, après, il y a des paliers différents avec des zones qui se ressemblent un peu. Enfin, vous savez qu'ils ont un thème. L'un, c'est ce qui ressemble plus à comme si vous étiez dans une espèce de chaufferie. L'autre, plus comme si vous étiez dans une chambre froide, très très grande, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pour pas finir fou allié dans ces niveaux, pour quand même avoir un espèce de repère visuel. C'est vrai qu'il y a ils arrivent artistiquement à avoir des niveaux qui se ressemblent. Mais c'est vrai que la disposition des pièces, des salles, des couloirs et des ennemis ne sera jamais la même, quelle que soit notre partie, quel que soit le niveau que l'on fasse. Alors tout de suite, on aperçoit qu'on a deux jauges. Une jauge de vie, donc la jauge d'HP, et une jauge de vitalité. Alors la jauge de vie, évidemment, quand vous faites taper par des ennemis, elle baisse, mais elle se régénère automatiquement. Petit à petit, elle se régénère. Et vous avez la jauge de vitalité qui, elle, en fait, va baisser à chacune de vos actions. C'est-à-dire que vous combattiez, que, je ne sais pas, vous ouvrez une porte ou quoi que ce soit. Cette jauge, elle va baisser. Elle baisse même toute seule. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez presque un timer au-dessus de la gueule qui vous dit votre vitalité baisse. Et une fois que la vitalité est arrivée à zéro, eh ben, cette fois-ci, c'est votre jauge de vie qui va baisser. Au lieu de monter, c'est elle qui va baisser. Donc, c'est que tout de suite, on se sent quasi directement dans l'urgence. Alors, on va se retrouver face à un bestiaire qui est assez particulier, qui est au même titre que les PNJ, qui est difforme, qui est bizarre, qui est grotesque, qui est drôle même parfois. C'est assez étrange. Et on se trouve véritablement dans un action RPG. On va diriger notre personnage. Personnage avec lequel on va affronter les ennemis, comme dans n'importe quel action RPG de base. Alors, système de combat consiste surtout à taper et à esquiver vos adversaires. Il y a guère plus de subtilité. Le truc qui va véritablement changer, c'est qu'à chaque fois que vous tuez une bestiole, quasiment, une fois sur deux, ils vont vous lâcher un objet. Et c'est avec ces objets-là, en fait, que vous allez pouvoir vraiment constituer votre jeu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer de l'équipement, de la défense, vos armes, parce que, évidemment, la mitraillette, enfin, on va dire le fusil d'ange que l'archange vous donne au tout début du jeu, va servir qu'à certains moments. Vous n'allez pas vous en servir pour tuer le bestiaire que vous rencontrerez. Vous allez récupérer des épées, comme dans n'importe quel RPG japonais. Et là, ce sont vraiment ça qui vont être les armes du jeu. Vous allez également récupérer des objets pour vous soigner, pour des remèdes, et également pour guérir des paralysies, des empoisonnements, etc. Donc c'est vraiment du loot, hein, quasiment. Vous allez récupérer des objets sur vos ennemis. Et vous allez pouvoir avancer comme ça, d'étage en étage. En fait, il va falloir trouver des espèces de transports en fait, qui sont cachés dans chacun des niveaux pour pouvoir passer d'un étage à un autre pour pouvoir continuer le jeu. Alors, le jeu, il faut quand même dire que le personnage est très rigide, c'est-à-dire que c'est très dur de le manier. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on va mourir, parce que la caméra n'est pas toujours tip-top. Le personnage se déplace, je vais pas dire lentement, mais presque. Il aurait pu être un peu plus vif. Et du coup, c'est vrai que les ennemis, parfois, eux, ils nous font aucun cadeau. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils nous ont vus, ils vont nous poursuivre jusqu'à ce qu'ils nous tuent. Hein. C'est un peu ça. Et du coup, il va vraiment falloir s'en débarrasser. Chaque ennemi va avoir plus ou moins sa technique différente pour les tuer, ou en tout cas pour esquiver leurs attaques, pour justement éviter de mourir trop rapidement. Parce que, clairement, moi, c'est vrai que le jeu est... On parle de dungeon RPG, d'action RPG, et ben moi je dirais plus loin, je dirais que c'est un survival RPG
à l'instar de Bloodborne, de Dark Souls, de Demon's Souls par exemple, où vous devez vraiment survivre dans ce RPG. Et bien là, c'est, pour moi, c'est typiquement le même système, c'est-à-dire que vous devez survivre, j'ai presque envie de dire, le plus longtemps possible. Sauf que malheureusement, eh bien, la difficulté du jeu est telle qu'à un moment donné, vous allez mourir. Et puis là, vous dites, bon, bah putain, merde, c'est game over, je vais recommencer à sauvegarde. Eh bien, pas du tout. Game over, vous recommencez, vous retrouvez dans l'espèce de cité au tout début du jeu. Vous avez perdu votre niveau, parce que qui dit RPG dit vous allez gagner l'expérience et monter en niveau au fur et à mesure de vos combats. Là, vous perdez tous vos niveaux et tous vos équipements, mais vous n'avez pas eu de game over. Là, vous dites, putain, c'est bizarre ce jeu. Et quand vous allez parler au PNJ, eh ben, ils ne vous disent pas la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu continue avec vos morts. Les morts font partie du jeu. La mort n'est pas une fin en soi, en tout cas dans ce titre. Et c'est ça qui va commencer à devenir assez... j'ai envie de dire assez étonnant, c'est-à-dire qu'on va se relancer dans la Neuro Tower, on va rencontrer, toujours avant d'entrer dans la Neuro Tower, le fameux archange qui va toujours nous filer le flingue de l'ange, et on va se relancer dans l'exploration de la Neuro Tower, récupérer des équipements, et puis avancer, palier par palier, etc., pour pouvoir avancer. Et c'est vrai qu'on va commencer à explorer un peu plus longuement, en fait, la Neuro Tower, et en fait, on va se rendre compte qu'en plus, que les PNJ changent de discours, nous racontent d'autres choses, et bien en fait, à des moments, mais j'ai pas dire au hasard, parce que franchement, je sais même pas si c'est au hasard, vous allez tomber sur des scènes cinématiques qui vont vous apprendre plus sur le jeu, sur le background du jeu, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant qu'il y ait toute cette apocalypse totale sur l'univers. Mais ces scènes-là, en fait, sur une partie, vous allez la trouver à un endroit, et si vous recommencez, c'est-à-dire vous reprenez votre sauvegarde, vous mourrez, vous recommencez, et ben cette scène, elle sera plus du tout au même endroit, elle sera peut-être 10 heures plus loin dans le jeu. Et en fait, si vous voulez, toutes les scènes vont apparaître comme ça, de façon très décousue. Et c'est vrai que ça sera à nous, joueurs, véritablement, de remettre tout ça, vraiment tout ça en ordre. Il y a vraiment un système aléatoire qui est assez déconcertant, et je pense que la plupart des joueurs seront totalement rebutés dès les 20 premières minutes de jeu. Ils vont tout de suite aller vomir par-dessus leur balcon parce qu'ils vont dire « Mais c'est quoi ce jeu de merde, quoi ? Je comprends rien, c'est moche, c'est vrai que c'est pas très très beau, les PNJ sont dégueulasses, enfin bref, je pige pas, c'est dur à jouer, notamment. » Sauf que, quand on commence vraiment à s'intéresser au jeu, en fait, on va se rendre compte que la plupart des scènes ont toutes des références bibliques assez forte en fait. C'est pas juste genre, je sais pas, Adam et Ève, le serpent, non, c'est beaucoup plus recherché que ça. Et c'est vrai que moi, pour tout vous dire, en fait, avant de commencer le jeu, en fait, j'étais au courant personnellement de quel jeu c'était. C'est-à-dire que c'est un jeu qu'on pouvait autant détester qu'adorer, et c'est vrai que je vous avouerai que moi j'ai vraiment vécu ce jeu-là comme un observateur. C'est vrai que j'ai pris aucun plaisir à jouer au jeu, parce qu'effectivement, toute la partie gameplay, pour moi, j'aime pas. C'est très labyrinthique, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est vraiment, on s'y perd dans ce jeu. Le gameplay est quand même assez dur à dompter, même si au bout d'un moment, bon, on s'y fait, puis on comprend les mécaniques, un peu comme un Bloodborne, hein, finalement. Ah oui, il faut un petit moment pour s'adapter. Voilà, on s'adapte, mais c'est vrai que la difficulté va nous en mettre plein la gueule tout de suite, et au final, on va comprendre les mécaniques, et après, ça va aller beaucoup mieux, mais il faut vraiment jouer qu'à ça, hein, pendant un petit moment. Et c'est vrai qu'on va tomber sur pas mal de scènes, et on va voir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, notamment... Je ne vais pas vous spoiler, mais notamment le fait que bah, quand on meurt dans un Neuro Tower, votre personnage revienne au tout début. Ça, c'est expliqué scénaristiquement. Ce n'est pas juste un truc de jeu. C'est expliqué dans le scénario. Et en fait, ce qui va être très étonnant, c'est que, évidemment, donc les parties scénaristiques, parfois, vont être assez troublantes. Il va y avoir des scènes très, très bizarres. On va même faire des actions dont on n'a pas l'habitude de faire dans un jeu vidéo. C'est ça que je trouvais assez incroyable, c'est que Baroque, c'est un jeu où vous allez faire des actions que les jeux vidéo ne nous ont pas habitués à faire. Je vous donne un exemple tout bête, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la Neuro Tower, vous allez arriver au premier vrai palier. C'est-à-dire à un endroit où, en grosso modo, vous ne pourrez pas aller plus loin, vous serez obligé concrètement de recommencer au tout début. Sous la Neuro Tower, vous la recommencerez toujours au début. En fait, vous allez tomber sur Dieu. Voilà, je vous dis pas, je vous explique pas pourquoi vous tombez sur Dieu. Alors Dieu qui ressemble à une femme, enfin Dieu qui est une déesse plutôt, parce que c'est une femme. Et en fait, si vous voulez, le réflexe que vous avez, c'est de sortir votre flingue, donc la mitraillette de l'ange, et lui tirer dessus. Évidemment, c'est le réflexe à tous. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce qu'on se dit, on a l'angélique rifle, tout ça, et puis on s'approche de Dieu, puis on ne sait pas, et elle nous dit, tire-moi dessus. Donc voilà. Donc on se dit, bah, je vais te tirer dessus. Quoi.
Donc il se passe quelque chose, on a une scène, et puis on se rend vite compte que ça n'a rien débloqué. Il y a une scène qui se passe, on retombe au tout début du jeu, et on se rend compte qu'il ne s'est rien passé de spécial sur le moment. Puis vous dites, mais c'est bizarre. Et vous avez recommencé, et vous avez retombé sur Dieu au même endroit. Puis pareil, vous tirez dessus, puis vous ne comprenez pas. Et en fait, si vous voulez, alors c'est un petit spoil quand même, parce que vous n'êtes pas censé le deviner, mais il me semble qu'en parlant avec un PNJ, il vous met sur la voie. Mais en fait, si vous voulez, il y a tellement de références bibliques, et le personnage principal est tellement un personnage particulier dans le jeu, qu'en fait, si vous voulez, il ne faut pas lui tirer dessus, il faut s'approcher de Dieu, lui courir, enfin, de la déesse plutôt. J'ai l'image en tête, hein, de la nana qui est à moitié à poil sur son truc, ça fait bizarre de l'appeler Dieu, mais bon, c'est Dieu. Et en fait, vous lui courez dedans et vous fusionnez avec elle. C'est un truc que vous ne pensez pas du tout. C'est très particulier. Et en fait, effectivement, ça va changer le jeu. Ça va changer la dynamique de jeu et le scénario va s'en trouver chamboulé. Bon, je saurais quoi faire si je tombe sur Dieu un jour en sortant de la radio. Et alors, tout ça, c'est que des références, hein, quasiment. Alors après, c'est que des noms bibliques. Le héros cherche le pardon ou l'absolution, pour être tout à fait exact. L'absolution individuelle, c'est même encore plus particulier. Alors, je vous laisserai chercher sur Wikipédia, hein, la vraie définition. J'ai pas le temps. Mais concrètement, en fait, si vous voulez, Baroque, c'est une succession d'actions dont on n'a vraiment pas l'habitude de faire dans un jeu vidéo, comme par exemple de lancer un objet sur un PNJ pour voir ce qu'il va nous dire. Et c'est tellement particulier que parfois, on a des objets très importants, c'est-à-dire un objet qu'on doit donner à un personnage en particulier. Et si on s'amuse comme un connard à lancer... Je me traite de connard, hein. Comme un connard à lancer sur le premier PNJ venu, le PNJ récupère l'objet, il dit « Ah, mais c'est cool, merci, c'est sympa ». Il ne nous le rend pas, ce connard. Il ne nous le garde pas. Et là, vous êtes niqué. C'est-à-dire que le jeu, c'est mort. C'est-à-dire que soit vous trouvez une façon... Tu ne peux plus jamais finir le jeu parce que c'est quasiment ça. Alors, il y a peut-être une façon. Alors, après, vous rechargez votre sauvegarde, mais soit vous pouvez récupérer le truc, mais jamais essayer, donc je ne suis même pas sûr qu'on puisse. Mais le mec, c'est-à-dire que vous lui lancez ça, le PNJ, il pense qu'on lui donne. Donc, le mec, il le récupère. Alors, il y en a certains, c'est ça qui est assez amusant, il y en a certains qui vous les rendent, qui disent « Non, mais je n'ai pas besoin de ça, tiens, je te le rends. » Mais il y en a certains qui les gardent. Mais ça, c'est complètement fou. Et disons qu'il faut cet objet en particulier, il va falloir le donner à un personnage en particulier qui lui va en faire quelque chose pour faire avancer. Parce qu'en fait, si vous voulez, la Neuro Tower, au début, vous avez genre 10 étages de débloquer, vous allez rencontrer Dieu, et après, une fois que vous avez fait ce qu'il fallait avec Dieu, la Neuro Tower va s'agrandir. Vous recommencez toujours au niveau 1, mais après, il y a peut-être 10 étages en plus qui se sont ouverts. Et vous allez encore faire quelque chose, etc., etc., etc. Sauf qu'il faut connaître les bonnes actions à faire. Et justement, vous allez voir que l'univers va changer. Par exemple, il y a des PNJ qui vont se retrouver dans des situations bizarres. Parfois, vous les voyez, ils sont juste là, comme ça, juste assis, ou voilà, ils font leur vie. Mais parfois, vous allez les retrouver dans des positions bizarres. Genre, il y en a un, moi, ça m'a choqué, il y en a un que vous retrouvez à moitié enterré. D'un seul coup, mais il dit, mais pourquoi il est à moitié enterré? Et tout ça, pareil, c'est toutes des références. Alors, j'en ai recherché quelques-unes, je ne les ai pas toutes recherchées, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est un jeu qui est vraiment étonnant à jouer, et c'est là où je vais conclure, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est détestable, véritablement, parce que le gameplay est chiant, parce que c'est bourré d'imperfections, et vraiment, on peut dire que ce jeu est pourri. On peut vraiment dire que ce jeu est pourri. Je suis moi-même le premier à dire, ce jeu est pourri. Franchement, il n'est pas intéressant. Et d'un autre côté, quand on voit toute la recherche scénaristique qui a été faite, que le gameplay au final arrive à se faire dompter, que le personnage principal devient très intéressant, et ben on se dit, mais putain, mais en fait c'est un vrai bijou, parce qu'il y a une recherche effectuée derrière toutes ces scènes qui sont au début très incompréhensibles, qui est absolument géniale. Ça me fait penser à un jeu, c'est MGS5, où il faut aller chercher, vous savez, les cassettes audio à écouter pour réunir tout le scénario. Et ben, c'est un peu comme ça, en fait. C'est un peu ce principe-là de Baroque. C'est-à-dire qu'on réunit toutes les scènes qu'on a vues, qu'on est allé chercher à droite, à gauche. Et quand on réunit tout, on dit « Putain, waouh !» C'est balèze. Et quand on se rend compte aussi qu'on joue à un jeu qui possède des mécaniques qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude et qui sont inédites, et on se dit « Putain, non, ce jeu, il a quand même vraiment quelque chose. » Et franchement, c'est la première fois que j'ai un jeu qui est à mi-chemin entre le jeu pourritissime et le bijou magistral. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a tellement une recherche tellement forte que j'étais vraiment entre les deux. Et moi-même, franchement, je n'arriverais pas à dire ce que j'en ai vraiment pensé, parce que je pense que vous êtes en train de me dire « Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé qui avez joué au jeu ?» Franchement, je ne sais pas. Tout ce que j'aurais à dire pour conclure, c'est que, en tout cas, à mon sens, c'est un jeu unique. Ça, c'est la seule conclusion que j'ai trouvée, parce que je n'ai jamais vu un jeu comme ça qui me tiraille entre ces deux parties, à la fois un jeu pourri et à la fois un jeu génial.
Et vraiment, j'arriverai pas à me partager. J'arriverai pas. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être plus proche d'un tableau interactif qui va te chercher à faire, à te faire réfléchir, à te balancer plein de références, que d'un genre lui-même, quoi. Tu joues pas pour l'intérêt gameplay. Tu vas y jouer surtout pour. Oui et non, parce que comme je te l'ai dit, il y a quand même des passages de gameplay qui sont assez étonnantes à faire, des petits trucs tout cons que moi je me suis dit, putain, mais j'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé, parce qu'on est tellement, vous savez, dans une mécanique de jeu bien standardisée que on nous faire sert ce genre de choses. En fait, oui, c'est exactement ça, que faire ce genre de choses, eh ben, on n'a plus l'habitude, et c'est ça que j'ai trouvé étonnant. Donc, non, même au niveau gameplay, je trouve intéressant. Après, il y a d'autres choses, hein, le gameplay, il y a d'autres choses qui peuvent être sympas. D'ailleurs, la bande-son est plutôt bonne, la durée de vie est vraiment elle est plutôt correcte également. Et voilà, c'est un jeu qui est très étonnant. Donc, pour des gens qui sont extrêmement curieux de nouvelles expériences, je vous le conseille. Par contre, pour ceux qui m'ont écouté et qui seraient intéressés, ne l'achetez pas. Ça sert à rien parce que c'est vraiment trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Oui. Mais voilà, Baroque, c'est un jeu unique et j'espère que ça vous a fait réagir chez vous et que ça vous aura, que ça vous aura fait connaître cette œuvre, en tout cas. Je ne vais pas dire un chef-d'œuvre ni autre chose, mais cette œuvre, parce qu'elle est vraiment étonnante. Voilà, j'ai pas de meilleur mot. Allez, on va passer à notre dernier sujet de la soirée, c'est le jeu attendu pour 2016. Ah, les jeux attendus pour 2016, enfin le sujet qu'on attendait tous, sauf Marc. Si, justement. Je plaisante. Alors, les jeux attendus pour 2016, alors c'est vrai que sur Gamonitron, on a tout de suite, franchement, on a regardé, parce qu'on est une émission de jeux vidéo, on veut acheter des jeux, les tester, tout ça, ça nous fait plaisir. Mais là, c'est vrai qu'en ce début d'année, le premier trimestre, il n'y a rien, il n'y a que dalle, il y a de la merde, on en a marre. Non, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est vrai qu'on a regardé, et c'est vrai que vous allez voir que la plupart de nos sujets vont être composés de culture geek, beaucoup, de vieux jeux, de petites rubriques, tout ça, mais pas de tests de jeux récents, hein, comme on essaie de le faire au maximum que l'on peut. Néanmoins, quand même, parce que c'est vrai que je dis qu'il n'y a pas grand-chose en ce début d'année, mais il y a quand même une console portable qui marche plutôt bien, c'est la Nintendo 3DS, qui va avoir pas mal de RPG japonais à se mettre sous la dent, là, sur les trois premiers mois. Déjà, fin janvier, il y a Final Fantasy Explorer qui sort sur 3DS, qui sera le Monster Hunter-like de Square Enix. Au mois de février... Ça me fait penser à Crystal Chronicles aussi. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Au mois de février, il y a encore Square Enix avec Bravely Second, donc la suite de Bravely Default qui sort au mois de février chez nous en France, hein, tout ça, je parle des sorties françaises bien sûr. Il y a un jeu qui lui ressemble beaucoup qui s'appelle Legend of Legacy, hein, c'est franchement au niveau du design, du système de combat, ça ressemble beaucoup à du Bravely Default, donc qui sort très très bientôt, alors je crois que c'est début février pour Legend of Legacy et fin février, si je dis pas d'annerie, pour Bravely Second. Et au mois de mars, il y a le jeu Stella Glow qui est un tactical des créateurs de Time and Eternity, c'est le dernier jeu du studio Image Epoch, un studio japonais qui a fermé ses portes là juste après avoir fait Stella Glow, donc c'est leur dernier jeu qui a une belle jaquette très, très colorée, j'aime bien moi ces petits chara-design de jeux japonais. Donc il y a quand même des jeux, on va pas me dire que je suis mauvaise langue, sur Nintendo 3DS notamment pour tous les fans de RPG japonais, mais... Bah, je crois qu'aucun d'entre eux seront testés sur notre plateau parce que franchement Final Fantasy, Internet Explorer, je sais pas quoi là. moi ça m'intéresse pas. C'est un Monster Hunter-like et je t'avoue que... Je précise pour les auditeurs qu'on est quatre autour de la table à avoir la 3DS, PM, Marc, Nico et moi. Moi je le prendrais s'il y a un scénar, si c'est vraiment il y a un truc... Mais j'y crois même pas. Même moi, et pourtant je suis le fan de Final Fantasy, même moi ça m'intéresse pas, je l'achèterai pas, il m'intéresse pas. Ça risque d'être un générateur de missions aléatoires, mais c'est exactement ça. Je pense exactement ça. Alors Bravely Second, j'ai détesté Bravely Default, j'ai pas acheté la suite, ça serait débile. Legend of Legacy, donc qui ressemble à Bravely Default, encore moins, je veux dire, une copie douteuse d'un jeu que j'aime pas. Alors, peut-être ça peut être une vraie surprise, t'as raison. Mais crois qu'une de nos chroniqueuses régulières me disait qu'elle pensait peut-être l'acheter. Legend of Legacy, oui aussi, mais donc on verra à voir. Stella Glow aussi, bon, il m'intéresse moyennement parce que le studio n'est pas habitué à faire des bijoux. J'ai oublié un jeu aussi, c'est Etrian Odyssey 2, il a un sous-titre, mais bref, c'est le remake de Etrian Odyssey 2 qui va sortir sur 3DS, qui va être intéressant pour tous les fans de Dungeon RPG, mais c'est un remake. Il y en a un autre que t'as oublié sur 3DS, mais on n'a pas concrètement
date de sortie. Alors, j'allais en parler. Si on sait que ça sort cette année. C'est Yo-Kai Watch. C'est Yo-Kai Watch. Bien sûr. Alors, je sais que PM et moi, on attend. Je sais pas si toi, Nico, ouais, ou Marc, vous attendez. C'est un nouveau jeu de Level 5 qu'on attend depuis des années. Quoi. Nouveau. Ce sera nouveau pour nous, mais oui. Il est déjà sorti au Japon. Celui-là a dû sortir il y a 2 ou 3 ans. On en est au 3e Yo-Kai Watch. J'en suis au 3e. C'est déjà sorti aux États-Unis en fin d'année dernière. Donc, il y a un espoir pour qu'il sorte en France. Il sera rapidement. Tu peux rappeler le vite fait à quoi ça ressemble le Kai Watch? Alors l'idée c'est que c'est un principe un peu similaire à celui de Pokémon, dans le sens où on va capturer des monstres et faire des combats avec, sauf que là les monstres en question c'est des yokai et il y a une grosse partie scénaristique parce qu'au lieu d'être finalement des animaux, des bêtes sauvages et tout ça, les yokai en fait sont des gens qui, pas des gens mais des créatures, des espèces d'esprits quoi, qui pourrissent la vie finalement des gens, voilà, il y a un yokai qui rend les gens colériques, un autre qui fait avoir des gaz, enfin voilà, il y a des blagues comme ça partout, c'est très second degré. C'est très beau. C'est le truc qui cartonne au Japon. Mais totalement. Au Japon, je crois que Yo-Kai Watch s'est plus vendu que. Alors, c'était quoi le gros truc d'an dernier? Je crois que Yo-Kai Watch s'est plus vendu que MGS. Quoi. Il a cartonné. Yo-Kai Watch, il a cartonné sur 3DS. Et franchement, quand je vois les visuels du jeu, mais en plus, c'est un charme fou. Quand je vois Pokémon qui est ringard à côté. Non, mais c'est vrai. C'est pas ça, Ils se font ringardiser par Level 5, mais depuis des années. Mais là, franchement, quand je vois les graphismes de Pokémon qui sont minimalistes. Et alors qu'il pourrait faire des trucs super beaux, et Yo-Kai Watch, mais qui est mignon tout plein, ça me fait penser à Inazuma Eleven qui est aussi très charmant graphiquement, et au jeu dont je vous ai parlé en début d'émission, Little Battler Experience, qui est très très joli visuellement. En plus de ça, il y a beaucoup de charme dans ces jeux de Level 5. Franchement, Yo-Kai Watch, même pour moi, là en France, il n'y aura pas de soucis, ça va être un carton. Je pense que c'est un carton. Je disais une connerie pour MGS5, c'est pas ça, c'est au niveau du cinéma en fait. Le film de Yo-Kai Watch qui est sorti l'an dernier quoi, au Japon a fait plus d'entrées que Star Wars quand il est sorti au Japon. Quoi. Donc mais, c'est mais, le, même, la mais, licence même le jeu, qui hein. peut battre Star Wars. Même le jeu qui fait des chiffres astronomiques. Ah hein, oui. Je crois que c'est une des meilleures ventes de Level 5 avec Professeur Layton. Ah oui, hein, c'est cartonné à fond. Il est sorti qu'au Japon. Enfin. On verra sur pièce, hein, peut-être que ça va nous décevoir. Mais, je pense qu'il va être très sympa. Ça a l'air joli et le gameplay a l'air bien chiadé, mais Level 5, c'est bon pour faire des gameplays bien chiadés, sauf peut-être dans Ni no Kuni, mais ça. C'est pas si catastrophique que ça. Donc en tout cas, quoi qu'on en dise, c'est vrai que la 3DS a quand même des jeux. Bon après nous, c'est vrai que la plupart des RPG j'aime pas, mais Yo-Kai Watch effectivement c'est un jeu qu'on va vraiment surveiller sur Nintendo 3DS. Donc la 3DS, elle a des jeux à proposer quand même pour les joueurs. Là pour le coup pour des fans de RPG japonais. Alors, ça ne sera pas le cas de sa concurrente, la PS Vita, qui elle n'a rien à se mettre sous la dent. La PS Vita est officiellement abandonnée par Sony. Même le remake de ça, c'est clair. Du Mystic Quest ne sortira pas sur PS Vita chez nous, il sortira qu'au Japon. Alors, la PS Vita, elle va peut-être essayer de tirer un peu son épingle du jeu avec des portages de jeux PS4 qui sont à la fois PS4 et PS Vita. Je pense notamment à World of Final Fantasy, qui, à mon avis, est plus un jeu PS Vita dans la qualité technique qu'un jeu PS4. Ouais. Franchement, un jeu PS4 60€, enfin, regardez World of Final Fantasy. Alors, bon, moi, je suis pas très très fan, mais franchement je vois plus y jouer sur PS Vita. Franchement, je trouve que c'est plus un jeu portable qu'un jeu console de salon grand standing, tu vois. Et Gravity Rush 2, c'est que PS4. Alors, au niveau de l'apparence, World of Final Fantasy, on dirait un jeu PS2 en version HD en fait. Ouais, mais c'est pour ça, autant l'acheter sur PS Vita quoi, si il sort. Mais il est prévu sur les deux machines. Alors, il y a un autre jeu que j'attends sur PS Vita. Alors, je sais pas s'il va sortir, j'ai pas encore vu beaucoup de choses. S'il va sortir en France, bien sûr, il est sorti au Japon au mois de décembre. Ça s'appelle Exist Archives, c'est un jeu du studio Tri-Ace à qui l'on doit un bijou qui s'appelle Valkyrie Profile. Enfin, même des bijoux, il y en a eu plusieurs, Valkyrie Profile. Oui, Eternal Sonata aussi, c'est Tri-Ace. Ah non, c'est Tri-Crescendo. Non, c'est Tri-Crescendo, c'est pas tout à fait le même. Ils ont sorti ce jeu-là qui a un charme fou. Il a pour l'instant des bonnes critiques japonaises et c'est vrai que j'attends ce jeu. Alors, il est prévu sur PS4 et PS Vita, mais c'est vrai que s'il devait sortir, je prendrais sur PS Vita histoire de... avoir un jeu à mettre sous la dent. Le jeu est fait en collaboration avec ceux qui ont fait les Zero Escape et Danganronpa. Enfin les... Oui, c'est ça pour la partie scénaristique, donc ce qui n'est pas dégueulasse concrètement. Et le jeu visuellement, il est très très joli. Alors c'est très japonais hein, dans le chara-design, tout ça, mais visuellement, franchement, c'est super coloré. C'est beau à tomber. Il y a les musiques de Motoi Sakuraba qu'on retrouve, un grand compositeur. Là, on a l'impression d'écouter du Valkyrie Profile en bonnet du forme. Donc j'attends beaucoup ce jeu, on en reparlera. Donc Exist Archive. Ah, et donc, à mon avis, il a ses chances de sortir. C'est pas gagné, mais il va sûrement sortir. Peut-être que en anglais, sûrement. Mais c'est pas grave. S'il sort, on fera avec
plaisir. On prend quand même. Ouais, non, mais je, franchement, je prends quand même. J'attends, j'espère qu'il soit bon, parce que c'est aussi une autre raison. Et donc, le studio Tri-Ace, ça me fait rebondir sur les consoles de salon, puisque, bien sûr, PS4, sur les jeux attendus en 2016. Fou, on a fait là, mon vieux. Les consoles portables. Sur PS4, on attend Star Ocean 5, Integrity and Faithlessness, le nouvel épisode donc, du studio Tri-Ace sous l'égide de Square Enix, là, pour le coup. Star Ocean 5, alors concrètement, moi je suis fan de Star Ocean 3, Tizen of Time, qui est sorti sur PS2. C'est un de mes jeux favoris. Alors je parle beaucoup des Final Fantasy, mais lui, c'est, je l'aime autant, que j'adore pour la qualité de son scénario, pour ses personnages, son système de combat, ses musiques, enfin bref, tout. Et là, disons que, voilà, entre le 3 et le prochain, il y avait un épisode qui était nul, hein, Star Ocean The Last Hope, qui était vraiment pas génial. Et donc cet épisode-là, les créateurs ont dit vouloir absolument ressembler à Star Ocean 3, ce qui me fait évidemment extrêmement plaisir pour la partie scénaristique. C'est un jeu déjà que j'attends, qui va arriver bientôt au Japon, qui a été repoussé, donc et j'espère qu'il soit à la hauteur, parce que c'est vrai que Star Ocean, on n'en voit pas tous les ans, c'est pas une licence qui revient tout le temps. Donc j'espère qu'il sera bon, parce que c'est une série qui a un bon système de combat. Alors graphiquement et le chara-design, c'est un peu douteux quand même. J'ai quand même à le dire. Oui, bah quand t'as des lunettes qui sont à moitié à poil. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un peu douteux, mais j'espère que la partie scénaristique soit bonne, parce que Star Wars en 3, mais vraiment, c'est une maîtrise de scénario totale. Vraiment, moi j'adore. On va rester sur les RPG japonais et parler du RPG le plus attendu, puis même un des jeux qui sera les plus en vue en 2016, c'est évidemment Final Fantasy XV de Square Enix. Donc tout est dit, hein. Je pense que qu'on soit fan ou pas, le jeu sera attendu au tournant, quoi qu'il arrive. Quelque chose à dire sur FF15? Bah, moi, j'attends avec impatience, en espérant ne pas être déçu, justement, après tant d'attentes. Alors, sur le jeu. Il sortira bien en 2016, ils l'ont bien confirmé, mais ils n'ont pas dit de date précise, ils ont bien dit c'est bon, c'est pour 2016. Alors, on peut imaginer. On a déjà eu la démo. On peut imaginer une sortie autour de mai-juin. Ouais, moi aussi, je viserais ça. Au mois de mars, ils vont annoncer la date de sortie officielle. Oui, c'est vrai, on a une date pour la date. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, un peu bizarre. Évidemment, on en reparlera, mais FF15, ça va être un des tournants de l'année 2016. Franchement, on peut pas, même si on déteste FF, on peut pas le nier. Il n'y a pas énormément de jeux aussi forts en 2016. Concrètement, il faut rester objectif, qui vont sortir, en tout cas en termes de d'attente. Il y en a qui vont vouloir qui sortent pour le défoncer, d'autres qui vont pour y jouer, mais concrètement, ça va être un des jeux majeurs, pas en termes de, parce qu'on n'a pas de résultat, hein, mais il sera peut-être un jeu majeur, mais en tout cas, c'est une attente majeure. C'est un jeu majeure. Qui va faire parler de lui, quoi. Ça, c'est une certitude. On sait pas s'il sera bon. Totalement. Toujours, alors, en 2016, même si pour l'Europe, ça, on sait pas trop, alors peut-être le numéro 2 des RPG japonais à attendre, c'est Persona 5, bien évidemment. Alors, moi, concrètement, moi, je le dis tout de suite, pour moi, il va être le meilleur personnage de la saga, le meilleur jeu d'Atlus, de la société Atlus qui a fait d'innombrables jeux, les Shin Megami Tensei, plein de jeux, les Persona. Moi, je le dis, tout de suite, c'est mon attente. Persona 5, c'est le meilleur jeu de leur société et le meilleur Persona. Ah, mais moi, je serais de ton avis. Parce que, ah, mais je le dis direct, trailers, moi, c'est l'attente que j'ai du jeu. Après, de ce qu'il montre, il a l'air vraiment excellent, mais après, il faudra aussi voir sur pièce, quoi, parce qu'on pourrait tomber de très haut également. Bien sûr, mais je le dis sans concession, hein. C'est l'attente que j'ai du jeu. Il sortira cet été au Japon, logiquement la même année aux États-Unis. Pour les États-Unis. Presque. Il n'y aura pas beaucoup d'écart entre le Japon et les États-Unis. Je crois que ça sera vraiment. Donc peut-être pour l'Europe en fin d'année. Au pire, si on l'a pas en Europe, on pourra toujours l'importer. Je pense que nous, on l'importera parce que, voilà, de toute façon, ils sont jamais traduits dans d'autres langues que japonais et anglais. Oui. Et voilà. Après, on peut avoir une surprise, mais bon. On sait jamais. Mais espagnol. Allemand. Persona. non, mais ouais, Persona, franchement, c'est un des gros RPG. C'est vrai que cette année, franchement, en RPG japonais, il y a FF15 et Persona 5. Ils vont tout bouffer en RPG. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, concrètement, ça, c'est les attentes RPG de l'année. Alors, des jeux, moi je parle des jeux vraiment qui sont sûrs à sortir en 2016, tu vois. Et c'est vrai que, bon, FF15, c'est un jeu multiplateforme, mais Persona 5, c'est un jeu exclusif PlayStation 4. Et c'est vrai que cette année, on aura quand même quelques jeux exclusifs PS4 avec, alors je disais qu'en début d'année, il n'y avait rien. Je parlais des trois premiers mois, du premier trimestre. Mais dès avril, il y a The Bomb Uncharted 4 qui arrive. Alors, je leur dis, vous allez peut-être vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais moi je dis, Uncharted 4, c'est le meilleur jeu d'action de la PS4. je rajoute le meilleur Uncharted de la saga. Moi je le dis, si c'est pas le cas, c'est une merde.
Alors après, et le problème, c'est qu'il va y avoir d'autres jeux d'action sur la PS4 qui seront peut-être super meilleurs. Attends, je sais de quoi tu veux parler, Nico. On reste sur, sur le mois d'avril, sur Uncharted 4. Moi, je dis, franchement, de ce qu'ils montrent, Uncharted 4, déjà, je trouve qu'ils ont pris un petit peu de The Last of Us, vous savez, pour la narration. Oui. Truc très réaliste et très intimiste, tout ça. La mise en scène qui a l'air encore plus folle que les précédents Uncharted que j'adore. J'ai toujours dit qu'Uncharted 4, c'était l'épisode de trop, mais là, je pense que ça va être l'épisode de la consécration ultime. Et... j'y crois dur comme fer. Nico, et Uncharted 4. Quand on voit des images, les personnages, il y a des moments où on dirait des vraies personnes, quoi. Mais ils sont même plus beaux que toi. Non, mais c'est vrai. Ils sont bien modélisés que moi. Non, mais il y a des images, bon, des décors, des textures basse définition. C'est un niveau de réalisme, c'est je bluffant. Plaisante. Nico est très très beau. Hashtag love Nico. Il a une mosaïque sur la tête. Non, mais Uncharted 4, il sort fin avril, je crois. Ouais. Et il y a une autre bombe qui sort au mois d'avril sur PlayStation 4. C'est Ratchet & Clank. Est juste magnifique. On a l'impression de voir un Pixar se dérouler devant nous. Dans qui sort en même temps que le film, en plus. Oui, il y a un film aussi, Ratchet & Clank, qui va y voir au cinéma. De toute façon, on va vous faire un teasing. De toute façon, à chaque émission, on va parler de Ratchet & Clank, le film. Je vous emmerde. Et de Ni No Kuni 2. Non, ça va être une orgie. Et Ratchet & Clank, effectivement... Alors, vous allez me dire, j'attends peut-être trop de ces jeux-là, mais c'est vrai qu'Uncharted 4, de ce qui montre, pour moi, c'est le meilleur de la saga. Et Ratchet & Clank... Et moi, j'aimerais bien aussi que ce soit le meilleur de la saga de Ratchet. Je suis fan de Ratchet & Clank, hein, depuis les épisodes PS3. Pas PS2, bizarrement, mais depuis les épisodes PS3, je suis fan, je les ai tous faits, j'adore. Mais cet épisode, il a l'air d'être Et cet épisode, mais vraiment, alors s'ils font un reboot, hein, c'est-à-dire que tout le monde pourra y jouer sans forcément connaître ce qui s'est passé avant. Ils font le film. En plus, voilà, il y aura le film que j'espère formidable, en tout cas. Et j'espère que ça sera le meilleur Ratchet & Clank qu'on nous ait offert et qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Franchement, j'y crois. On est sur PS4, allez... Nos droits de rêver, que voulez-vous, hein? Autre chose sur Uncharted et Ratchet & Clank, les enfants? Non, mais moi, j'ai autre chose sur PS4. Mais t'as autre chose sur PS4, mais il y a un jeu magnifique sur PS4 qui est attendu en 2016, c'est The Last Guardian. Oui, enfin. The Last Guardian, alors il est attendu pour 2016. J'avais même dit Ito Queen ou Washito Ito. Non, bah, franchement, voilà. The Last Guardian, alors c'est vrai que tout le monde dit ouais, on l'attend, tout ça, il sort pas, ça fait des années qu'on l'attend, mais c'est le genre de jeu qui s'attend pas. Ça s'attend pas, c'est même pas un jeu, c'est une œuvre. On attend de le recevoir et quand on le reçoit, on dit merci, merci Dieu, merci la vie. Merci Dieu. j'ai été transcendé par Shadow of the Colossus, par Ico aussi, mais un petit peu moins. Shadow of the Colossus, pour moi, c'est une œuvre, c'est même pas un jeu, c'est une œuvre. Ça se joue pas, ça se vit. Et The Last Guardian, je veux que ça soit la même chose. Voilà, c'est fait par c'est même pas fait par un créateur de jeu, c'est fait par un poète. Concrètement, et j'espère que sa poésie va nous entraîner en 2016. Ouais, The Last Guardian, pour moi, c'est même pas. J'espère que ce soit pas un jeu qui se note, qui se juge, mais vraiment un jeu qui se laisse porter par son émotion. Et vraiment, c'est ça que j'attends. Il peut sortir quand il veut, même s'il est repoussé à 2017. Franchement, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est que l'auteur Fumito Ueda sorte vraiment ce qu'il a envie de nous raconter. Mais vraiment, c'est après, moi, peu importe. Ce genre de jeu, vous voyez, où on a eu Ico, Shadow of the Colossus, on aura The Last Guardian, il n'y aura peut-être pas d'autres de ces œuvres. Franchement, c'est pas grave, c'est des choses, vraiment, mais qui se... À mon sens, en tout cas, qui se savourent. Mais concrètement, pour revenir sur Terre, sur le jeu vidéo, pour moi, ça va être un des jeux de 2016. Si ce n'est pas le jeu de 2016. Ça avait beaucoup de jeux de 2016 pour l'instant. T'as vu ça? Moi, je fais monter la sauce. Ouais. Je suis un vrai vendeur, moi. Je devrais faire une carrière de commercial. C'est oui. Vrai, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'avais d'autre sur 2016, sur PS4, notamment? Bon, moi, alors, c'est le jeu qui m'a vendu à PS4, le jeu qui m'a tué à l'E3. Ah, Yakuza 6. Non, c'est Horizon Zero Dawn, quoi, de ce qu'on a vu, mais ça a l'air un truc de dingue. Et pourtant, j'ai fait aucun Killzone, mais bon, apparemment, ça n'a rien à voir avec Killzone. Même si c'est Horizon, même si il envoie du rêve, mais Horizon, un peu trop. Horizon Zero Dawn, il envoie du rêve. Si, ah, ça. Si la réalité se conforme au rêve. Enfin, franchement, moi, je vous dis, si c'est pas le meilleur jeu où tu incarnes une archère rousse qui combat des dinosaures mécaniques, c'est qu'il n'y a pas de jeu. C'est qu'il n'y a pas de jeu sur PS4. Non, non. Ah, mais moi, concrètement, moi, je le dis tout de suite, Horizon, c'est le meilleur jeu avec des dinosaures. On va savoir, il y aura peut-être une surprise, un Turok prévu pour l'année, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri.
Non, mais voilà, ils me vendent beaucoup de rêves et effectivement. Ils ont beaucoup de rêves. Déjà pour beaucoup de jeux que tu as cités, Uncharted 4, effectivement, et The Last Guardian, j'ai envie de prendre une PS4, mais c'est vraiment le jeu qui m'a vendu la PS4 et voilà. En espérant que ce soit encore, pas un pétard mais... mouillé, hein, c'est voilà. Sûr. Bah là, tu dis ça parce que tout ça parce que l'héroïne elle ressemble à la fille, une fille de Games of Thrones. Quoi. Non, mais même ça, je m'en fous. Tu sais, elle ressemblera à toi, ça me serait égal. C'est quoi. Vrai. Ouais, non, mais c'est surtout ce. Mais non, moi je ressemble à Nathan Drake. C'est vrai. Enfin, il a un petit peu de Nathan Drake, ouais. Ah ouais, dans le slip. Et beaucoup du griffon de The Last Guardian. Effectivement, Horizon Zero Dawn. Et je me tourne vers Nicolas avec un des jeux qu'on attend le plus aussi. Mais on attend plein de jeux, c'est vrai qu'en 2016, j'espère que l'année ne va pas être ratée, mais un jeu qu'on attend le plus, qui va nous retourner, parce que c'est la suite d'un jeu qui est sorti sur PS Vita, qu'on attend énormément, c'est... Gravity Rush 2. Mais tout à fait. Et enfin, on alors, aura la suite de Gravity Rush. Le remaster du 1 qui sort sur PS4 début février, si je ne dis pas d'annerie, chez nous en France, on en reparlera. Mais Gravity Rush 2 qui sort en 2016, donc partout dans le monde... Voilà, c'est pour moi c'était un peu le nouveau Shenmue. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu Shenmue 1 et 2 qui étaient exemplaires et Shenmue 2 c'est vrai que ça arrêtait sur un suspense total et Gravity Rush premier nom c'était un peu ça, c'est un jeu très créatif avec quasiment toutes les qualités exceptionnelles, tout, enfin, que ce soit les graphismes, l'histoire, les musiques, la durée de vie, enfin tout était très bon. Et dans un univers fou quoi, un univers original, en plus. Et c'est vrai qu'on s'arrête avec le 1 avec plein de questions et on veut que des réponses, et les réponses, je pense qu'elles vont arriver avec le 2. Mmh. Franchement, c'est un cadeau. Ouais. Moi, j'ai hâte. En plus de ça, le jeu, on a vu à quoi il ressemblait. C'est à tomber par terre. Gravity Rush, un jeu qui nous fait monter au plafond. Non, mais c'est vrai. Et ça aussi, c'est un des jeux aussi, pour nous en tout cas, parce que c'est un jeu de niche, mais c'est un des jeux majeurs de 2016. Alors, je vais me tourner vers Marc, parce que c'est vrai qu'il y a des jeux aussi de... Oui. Alors, qui ne sont pas forcément prévus pour 2016, mais qui pourraient peut-être l'être. Qui pourrait peut-être sortir en 2016. Alors, cela, on va les passer vite fait. Donc, il y a le Ni no Kuni 2. Ouais, alors lui qu'on attend, forcément. Le Kingdom Hearts 3. Aussi. Alors, c'est vrai que lui, c'est possible qu'il sorte en 2016. Mais j'y crois pas. On n'est pas sûr à 100%. J'y crois pas. On n'est plus à une année près. Déjà, Square a beaucoup sur son assiette, et surtout avec FF15. Ce serait beau, hein, mais j'y crois pas pour cette année. J'y crois pas non plus. Mais après, on peut se tromper. Hein, on en reparlera en fin d'année. On aura peut-être Kingdom Hearts 2.8 pour cette année. Oui, c'est voilà, il faut encore qu'ils sortent Kingdom Hearts 2.9, Kingdom Hearts 2.95, et après, ils pourront sortir le 3. Pas un risque, ça sera meilleur la saga. Mais tu sais quoi, Antoine? Ça fait 10 ans que le 2 est sorti, et qu'on attend le 3. Si le 3 n'est pas meilleur que le 2, effectivement, ce sera une déception. Tout est possible. Boum. C'est possible. Marc. Oui. Après, il y a, dans ce qui est sûr, il y a Nier Automata. Alors oui, alors j'ai vu ça, mais c'est vrai que pour Sony, Nier Automata, donc la suite du jeu Nier tout court, est prévue pour 2016. Eux, ils l'annoncent pour 2016. Concrètement, c'est ce qu'ils Par ont contre, dit. Quand en 2016, on ne sait alors, pas. Alors quand, mais on ne sait pas. Mais effectivement, je me tourne vers toi, Nico, je sais que tu attends ce jeu à peu près comme moi. Mais c'est vrai que j'ai vu une vidéo des jeux attendus sur PS4 en 2016. Donc tu as Uncharted, t'as Ratchet & Clank. Oui, il y a Nier, effectivement. Hellblade également, le nouveau jeu des créateurs de... de DMC, Devil May Cry et de... Hiding Blade. Du truc avec l'épée, le machin Blade. Evenly Sword, je vais y arriver. Et effectivement, Nier Automata est prévu pour 2016, ce qui serait une très bonne nouvelle, parce que c'est un jeu de niche, mais avec un scénario vraiment qui serait vraiment très bon, des musiques aussi, et réalisé, le gameplay en tout cas, par Platinum Game, à qui l'on doit Bayonetta et Vanquish, donc c'est que du bon. Il y a Mirror Age 2. Alors c'est pas ça, je m'attends pas forcément à un bon jeu, mais le 1 avait plu parce que c'était un jeu où il y avait plus du tout d'interface. On voyait vraiment à la première personne en plein écoute, écran. Moi je vais te dire un truc, moi je pense franchement que Mirror Edge 2 sera le meilleur jeu avec une chinoise. Je le dis. Parce que si c'est pas le cas, je serais déçu. Il y avait un effet de nouveauté, je vois pas ce qu'ils vont apporter de plus. En fait. Des nouveautés de gameplay, je pense surtout principalement. Ouais, mais après, je veux dire, l'utilisation de la 6-6, bon, ça c'était plutôt réservé à la PS3. Ouais, je vois pas quelles originalités ils vont pouvoir apporter. Ça, on en reparlera, mais on verra ça. Hein. Et sinon, il y a un petit Street Fighter 5 qui est prévu sur 2016. Ouais. Non, c'est juste alors. Ah, pareil. Les jeux de baston, ta gueule. Les jeux de baston. Il y a un Tekken. C'est parfait, ça aura permis au moins de rebondir là-dessus. Il y a un Tekken. Les jeux de baston. Alors, bon, oui, Tekken 7 pour Pierre-Marie, effectivement. Donc, le nouveau Tekken. Mais alors, moi, c'est vrai que j'attends BlazBlue, Central Fiction, le dernier épisode de BlazBlue. Cette fois-ci, sera le dernier, le 4e et dernier. Alors, je l'attends parce qu'il y aura une pléthore de personnages. Ils en rajoutent par rapport aux précédents épisodes. Et surtout parce qu'on aura la suite et la fin du scénario qui m'a. Voilà, qui me
qui me maintient en vie, j'ai presque envie de dire, donc qui me fascine. Le mec, quoi, il est sur respirateur artificiel, il faut mettre des CD de BlazBlue. Qui me fascine depuis, je crois, 2008, j'ai découvert BlazBlue, Calamity Trigger, le premier épisode, 2008 ou 2009. Et là, ce sera le dernier épisode, donc Central Fiction, qui devrait arriver donc, en 2016. Franchement, mais je l'attends, mais vraiment comme le jeu ultime de jeu de baston de 2D pour moi, hein, bien sûr. Parce que j'adore le studio, j'adore cette licence. De toute façon, c'est pas le jeu de baston de l'année. Ouais, non, mais franchement, c'est presque ça. Et il y a un autre jeu, alors lui, je l'attends un peu moins. C'est The King of Fighters 14. Alors, je suis fanatique de The King of Fighters 13, vous le savez, j'adore le jeu. Et The King of Fighters 14, quand ils l'ont annoncé, j'étais heureux. Je dis, putain, c'est génial, ils font un nouveau jeu de The King of Fighters. Et quand j'ai vu les graphismes, j'ai dit, ah ouais, c'est moche quand même. Parce qu'ils sont passés de la 2D dessinée à de la 3D moche. Alors, ça changera peut-être pas le gameplay. Le gameplay sera peut-être autant péchu, mais c'est vrai que c'est pas beau. Et donc, c'est vrai que je l'attends, mais avec un peu de recul quand même. Mais concrètement, c'est vrai que Tekken 7, jeu de baston convivial incontournable. Ouais. BlazBlue Central Fiction pour sa partie scénaristique et puis pour tous les personnages et sa technique. Et The King of Fighters 14, avoir évidemment Street Fighter V qui sera un des must de l'année 2016 pour la baston, ça c'est clair et net. Alors après, il y en a deux derniers très rapides. Bon, il y a le troisième Deus Ex. Oui, Deus Ex, c'est vrai qu'on n'en parle pas pour les RPG occidentaux, mais c'est vrai que l'année prochaine, il y aura Deus Ex, comme tu dis. Il y a Hitman aussi. Non, attends, on parle des RPG occidentaux. Deus Ex, effectivement, je ne m'en rappelle plus. C'est Making Divine, ouais, c'est ça. Et peut-être Mass Effect Andromeda. Oui, je crois qu'ils n'ont pas de date pour Mass Effect. On va peut-être supposer un 2016, ouais. Mais c'est vrai que RPG occidentaux, c'est vrai que l'année dernière, il y avait The Witcher 3, il y avait Fallout 4 quand même, c'est pas dégueulasse, les gars. Et bon, c'est vrai que là, voilà, on aura Deus Ex l'année prochaine. Et peut-être Mass Effect 4, entre guillemets. South Park 2, c'est sûr. Puisque voilà, The Fractured Butthole. Voilà. Alors ça, bon, pareil, ça s'adresse aux fans de South Park. Mais ouais, le premier était tellement bon. Très court, mais tellement bon. C'est le vrai film South Park. Voilà, en fait. C'est le jeu South Park qu'on attendait. On était vraiment plongé dans un épisode. Est-ce qu'on dit Nico sur qu'on parle pas du jeu. Si c'est pas le meilleur jeu South Park de l'année. Ouais, non, mais je plaisantais tout à l'heure, mais la plupart des trucs que j'ai dit, je le pense vraiment. Hein. C'est vrai que si c'est décevant, mais je les défoncerai tous ces jeux. Je comprends, mais South Park aussi, on l'attend au tournant, mais je pense pas qu'il sera décevant. Pareil, j'en ai pas parlé. Mais... En même temps, Ubisoft sait rendre un jeu décevant, donc on espère juste qu'on va pas se faire watchdogger notre South Park. Non, mais j'en ai pas trop parlé, mais FF15, si c'est pas le meilleur jeu avec un boys band, mais ça sera décevant. Décevant, mais vraiment. Est-ce que t'en as d'autres, Marc? Non. T'as fait le tour de ta petite liste. Est-ce que Antoine, il attend des jeux? Parce qu'il est là, il dit rien, mais est-ce qu'il attend des jeux pour 2016? Oui, j'attends Star Fox sur Wii U. Ah, enfin un peu de Wii U. Oui, Wii U, bon, mais il n'y a que celui-là hein, sur Wii U. j'en attends pas spécialement d'autres. Mais voilà. Antoine est très bon à Star Fox. Oui. À Star Wing aussi sur le meilleur autour de la table. Et sur PC? Ça va. Sur PC, j'aimerais bien FF3, ça serait... mais j'y crois pas trop, je pense que ça sera pour 2017. Il n'y a pas une extension de World of Warcraft? Alors prochaine. Si, elle est prévue en septembre, c'est ça? C'est ça, Légion. Est-ce que t'attends ou pas? Oui et non. Parce que Antoine est un genre de World of Warcraft. Oui, oui. Et de Warcraft même à la base, tout court. Mais De Warcraft 2 au départ, en 98. Aujourd'hui, j'en attends plus grand-chose en fait, de World of Warcraft. Parce qu'en gros, les grands personnages, pour l'essentiel, sont réutilisés ou réutilisés. Donc pour moi, c'est un jeu qui, en plus graphiquement, aussi vieilli. Malgré qu'ils améliorent les graphismes. Oui, ça reste un jeu efficace. On sait que Blizzard, ils savent faire des jeux, on va dire, populaires, assez casual. Donc, je vais y jouer, c'est évident. Je vais le tester 2-3 mois, voilà. Mais... T'attends pas plus que ça, en fait. Ouais, j'attends pas plus que ça. Au bout d'un moment, ça commence à s'essouffler aussi. Il a 10 ans. Donc, c'est ça, faut voir aussi la longévité du jeu. C'est vrai que s'ils y arrivent, c'est tant mieux. Mais c'est vrai que, autrement, bon, effectivement, c'est quand même délicat. Comme tu le dis, après 10 ans d'activité et puis 10 ans de grande qualité aussi. Hein. World of Warcraft, c'est quand même une énorme licence du jeu vidéo. Alors, voilà, est-ce qu'on a d'autres jeux pour 2016 que j'aurais oublié quand même, les enfants? Moi, j'en aurais juste deux vite fait, oui. Qui sortent au mois de février d'ailleurs. Ouais. Il y a Mighty No. 9, le jeu du créateur de Megaman, qui ressemble beaucoup à Megaman. Alors, dans l'indé, on n'en a pas parlé des jeux indés, indépendants, ce sont des uns. Hein. Que j'attends de voir. Et il y a Far Cry Primal aussi, je suis très curieux, puisqu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui se passent à la préhistoire, en fait. Donc je suis curieux de voir comment ils vont emmener le truc, comment ils vont emmener tout ça. Donc le nouveau Far Cry, pardon. Pierre-Marie, est-ce qu'il y a des jeux qu'on a oubliés?
Alors, on les a tous cités, sauf... J'avais noté Shyness aussi. Un studio français, qui m'intéressait, d'un studio, français, parisien. Et c'est un jeu indé, en financement participatif. Avec des chats. C'est très, très prometteur. Alors, c'est un RPG, du coup, occidental, vu que c'est français. Mais très... avec beaucoup d'accent des RPG japonais, quoi. C'est, disons que c'est mignon comme beaucoup de RPG japonais. Ça sent... C'est très inspiré, des RPG japonais. De ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ils sont sur les bons rails. Ils communiquent assez sur leur projet, donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est un autre petit jeu indé que j'attends au tournant. Et voilà, sinon, comme disait Nico, Far Cry Primal. Et voilà, c'est déjà pas mal pour 2004. À part ce mois de janvier, on va avoir pour une 2016, année pas mal. 2004. Pourquoi 2004 ? Alors, 2004, on va parler des sorties de GTA San Andreas, les gars, de Final Fantasy X-2. Allez, c'est parti. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Meilleur GTA de la série, quand même. Il faut le dire. Je sais pas pourquoi, j'ai vu Nico, j'ai pensé 2004. Okay. Alors, évidemment, il y aura d'autres jeux pour 2016. Mais je pense que, pour ceux qui écoutent Game Onitron, ça vous a donné quand même une façon assez nette vers quoi on va se tourner pour 2016 de façon assez claire. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je vais remercier tout le monde autour de la table. Antoine, Pierre-Marie, Marc, Nicolas. Merci à vous. Vous êtes combien ? 4 ? Merci à vous 4, les enfants. C'était une super émission de reprise. Merci Radio Campus de nous avoir laissé un quart d'heure de plus. Je suis pas sûr qu'on l'aurait demandé. Non, c'est clair. Non mais merci, on en refera plus, promis. La semaine prochaine, on va parler. Ah, ça va être la première d'une nouvelle rubrique qui sera ces animés de légende. On parlera des films d'animation Akira et Ghost in the Shell. Et on parlera du jeu qui s'appelle Among the Sleep. Je crois que c'est la semaine prochaine, hein, c'est ça ? Merci. Déjà en train de slip. PM va nous mettre son slip. Oui, je pense que ça sera ça. Donc tout ça, on en parlera la semaine prochaine. Donc rendez-vous sur notre site internet. Mais d'ici là, passez. Attends, l'OST de la semaine. Ah oui, l'OST de la semaine. Juste pour dire, c'est un hommage à David Bowie qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Oui. Et c'est tout simplement l'OST à laquelle il avait participé, The Nomad Soul. Donc le titre c'est We All Go Through et voilà. Le jeu de David Cage. Un hommage à David Bowie. Le français effectivement, David Bowie qui est mort à l'âge de 69 ans. Et évidemment, on lui fait un hommage ce soir à cet immense chanteur, une vraie figure qui s'est éteinte aujourd'hui même. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et une bonne semaine. Et à lundi prochain, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye. Ciao. Salut.